Bonjour à toutes et à tous, c'est PTVFR, on se retrouve une nouvelle fois sur World of Tank, et cette fois-ci pas pour un replay commenté, mais plutôt pour un tuto rapide, hein. Comment bien démarrer sur World of Tank. Donc voilà, d'ailleurs je tiens à dire que je mettrai le lien du téléchargement du jeu dans la description. Donc voilà, donc vous allez vous retrouver juste après avoir installé le jeu dans ce petit garage. Donc vous aurez plusieurs chars donc qui seront ici, hein. Moi j'ai juste pour l'instant affiché que le MS1, puisque vous allez jouer la plupart du temps avec cette petite caisse à savon et les autres bien sûr. Parce que moi je les ai plus, mais vous aurez les autres chars, donc je vais vous les montrer rapidement. Donc vous aurez les nationalités là, donc les japonais qui auront en tier 1, donc le Renault Otsu, les russes, donc le MS1, celui qui est dans mon garage. Les américains, le char T1, les britanniques, le medium 1, les allemands, le Ledge Tractor, les français, Cocorico, le Renault FT, et les chinois, le NC31. Donc voilà, donc on va vite faire regarder un petit peu les petits panel à droite, à gauche, enfin un peu partout. Donc là vous avez ici le descriptif un petit peu du char, donc ses points de structure, donc c'est ses points de vie, ni plus ni moins. Donc à savoir que là j'ai 100 points de vie, mais quand vous allez commencer vous n'aurez que 90, que je dise pas de bêtises, puisque vous n'aurez pas la dernière toile, mais ça je vous l'expliquerai plus tard. Donc son poids point à l'heure actuelle, son poids limite, sa puissance moteur, sa vitesse max, alors je précise, sur du plat et sur terrain non mou. Ça c'est pareil, c'est une petite chose à savoir. Vitesse de rotation, donc ça c'est la vitesse où le char pivote sur lui-même. Son blindage, donc 18 c'est de face, les 16 c'est le côté, et le dernier c'est son arrière. La tourelle, pareil, soit de face, de côté et l'arrière. Ses dégâts, donc 35-59 en obus standard. Donc ça, je précise, c'est à mettre au conditionnel ses points de dégâts. Puisque la plupart du temps, vous ferez soit moins, soit plus. Enfin, ça dépendra du jet de dés, donc c'est un peu du hasard. Sa pénétration d'obus, donc les 100 mm que pénétrera l'obus. Donc 38 et 64, donc ça j'expliquerai pourquoi 64. Sa cadence de tir en coups par minute, donc 20 coups par minute. Vitesse de rotation de tourelle, donc c'est la vitesse où la tourelle tournera. Sa portée de vue en mètres, donc 280 mètres de portée de vue. Et sa portée radio. Donc ça c'est très utile sur le champ de bataille. Sa portée de vue et sa portée de radio. Donc là je vais revenir un petit peu sur les dégâts des obus et la pénétration. Donc ça dépendra de vos obus. Donc là je vais aller dans maintenance. Donc là vous allez à la maintenance du char. Tout ce qui est réparation. Donc là normalement vous aurez comme ceci. Donc petite chose à préciser. Donc si vous n'avez pas envie de vous casser les pieds à réparer chaque fois votre char, en sachant comme quoi qu'en tier 1 il ne vous coûte rien en réparation. Donc à réparer c'est zéro. Après ce sera plus cher. Donc voilà, donc si vous voulez réparer à chaque fois votre char à la fin d'une bataille, cochez cette petite case, réparer automatiquement. Comme ça, ça vous empêchera d'aller à chaque fois dans maintenance réparer le char à chaque bataille. Ensuite les munitions, donc il emporte à l'heure actuelle 54 obus. Donc moi, je vais faire ça. Donc la plupart du temps vous aurez, alors je vous conseille les obus, je vais mettre comme c'est de base, voilà. Vous emporterez la plupart du temps les obus de base, donc c'est ceux-là, les 45 mm, donc vous aurez autre chose, hein, donc vous aurez, je vous explique rapidement. Donc vous aurez les obus de base, donc vous emporterez. Ensuite il y a ce qu'on appelle les obus gold, donc les obus améliorés. Donc c'est ceux-là, c'est les 45, les rigides composites. Donc c'est des obus qui ont une meilleure pénétration, pas les meilleurs dégâts, mais ça pénètre mieux, donc
voilà, la différence, hein, 38 mm et 64 mm au maximum. Et là, avec les obus AP rigides, donc les obus gold, payés avec du gold ou de l'argent du jeu, ça j'expliquerai après, ils dépénètrent plus de blindage que prévu. Donc voilà. Ensuite, vous avez les obus explosifs. Alors, les obus explosifs, que dire? Donc, ça fait obligatoirement des dégâts. C'est-à-dire qu'en fait, l'obus tapera le char, explosera, soit détruira un module du char, donc soit le canon, les optiques, enfin bref, et fera obligatoirement des dégâts. Mais ce problème, ça coûte cher. Ça coûte cher, pas trop cher avec les chars de tier 1, mais assez cher avec les chars de haut tier. Donc là, je vais remettre comme ceci. Donc ensuite, pour les obus AP, donc les AP rigides composites ou les obus gold, vous avez deux possibilités. Alors, les obus, vous pouvez les acheter en or. Ça veut dire de l'argent, monnaie. Donc, si vous avez un bon compte en banque, c'est utile. Si vous n'avez pas, il y a l'autre possibilité d'acheter avec l'argent du jeu. A savoir que l'argent du jeu, vous la gagnez à chaque bataille et vous risquez d'en perdre aussi. Mais ça, ce sera pour plus tard. Donc, voilà. Donc ensuite, il y a les consommables. Alors les consommables, c'est des petites choses sympathiques que vous pouvez acheter, pareil, avec l'argent réel ou l'argent du jeu. A savoir que l'argent réel, c'est des améliorés. Il y a donc l'extincteur manuel. Donc si votre char fond en feu, qu'est-ce qu'on fait? On éteint le feu, donc il y a un extincteur qui éteindra le feu assez rapidement si vous appuyez sur la touche correspondante à l'extincteur. Le kit de réparation, donc là ça peut réparer vos chenilles, votre canon, votre tourelle, enfin tous les éléments du char qui ont été endommagés. Et je précise, avec les petits kits et l'extincteur, ça ne marche qu'une seule fois. C'est-à-dire que si vous avez le feu, vous appuyez sur l'extincteur, le feu est éteint. Si vous vous mettez en feu, eh ben vous priez pour pouvoir souffler sur le feu, puisque l'extincteur est vide, il n'y a plus d'extincteur. Pareil pour le kit de réparation, il vous touche les chenilles, vous réparez vos chenilles. Deux secondes après, il vous redétruit les chenilles, vous n'avez plus de kit de réparation, donc vous restez un petit peu en slip. Ensuite, la trousse de soins. La trousse de soins, ça permet de soigner un membre d'équipage. Je précise bien un membre avec les petites trousses. Le retrait de régulateur de vitesse. Alors ça, c'est un truc à ne pas faire, à ne pas mettre. Je ne sais pas pourquoi qu'ils le mettent. Donc en fait, ça augmente de 10% votre, comme c'est écrit, votre moteur, mais ça l'endommage. Dire qu'au bout d'un moment, votre moteur, il va faire un petit peu de raté. Enfin bref, il va rendre l'âme. L'huile pré-bail, donc ça c'est de l'huile, donc ça marche. Bon, c'est pour les Russes, l'huile pré-bail, ça augmente de 5% la puissance moteur. Donc à savoir que bon, vous n'avez pas trop besoin avec les petits chars, mais vous pouvez l'acheter. Et ensuite, il reste les améliorations, donc ça c'est les extincteurs automatiques, grand kit de réparation, grande trousse, ça fait à peu près pareil, mais la seule petite différence, extincteur automatique, comme c'est marqué, automatique, donc ça éteindra le feu directement, sans que vous appuyez sur une touche, sans que vous fassiez quoi que ce soit, mais pareil, c'est comme le extincteur manuel, utilisé une fois, il n'y en a plus. Les grands kits de réparation, alors admettons, vous avez endommagé, bon, vous avez pris un tir, vous a endommagé la tourelle, le canon, les optiques de visée, les chenilles, enfin, il vous a vraiment fait mal. Vous appuyez sur un grand kit de main, vous utilisez le grand kit de réparation, ça vous répare tout. C'est pas comme l'autre où ça vous répare juste un élément, donc admettons les chenilles ou la tourelle ou le canon, là ça vous répare quasiment tout. Enfin, pas quasiment tout, mais tout. Donc très utile si vous avez pris cher. Mais bon, pareil, ça coûte 50 d'or, donc argent réel. Ou 20 000 en argent du jeu. Donc 20 000, je peux vous dire que vous allez pleurer si vous achetez ça. Grande trousse les grandes trousses de premier secours, donc ça vous soignera tout l'équipage. Et les rations de combat supplémentaires. Alors ça, c'est pour les qualifications des chars. Mais ça, on en parlera plus tard. De ces petites... qualité dans l'équipage.
Donc voilà, bon, comme vous voyez, il y a moi j'ai rien mis puisque j'en ai pas l'utilité. Donc ensuite, il y a ce qui se passe en bas. Juste en dessous. Bon, apparence, ça ce sera les camouflages, enfin ça non. J'en reparlerai plus tard, mais pas dans cette vidéo. Donc ensuite, il y a ce qu'il y a ici. Il y a ce que vous avez installé sur votre char. À savoir que voilà, là c'est le canon. Donc vous avez la plupart du temps c'est ce petit canon. Donc je peux l'installer. Donc ce sera le premier canon. Donc vous débloquerez plus tard pour avoir les mains. Débloquerez plus tard les autres pour avoir les autres. Mais ça on l'expliquera après. Donc vous avez le 37 mm Hotkiss. Donc c'est pas la même pénétration. Alors on va faire une petite différence par rapport à celui que j'ai installé. Donc il fait à peu près du 24 à 26 coups minute. À différence, il tire plus rapidement que le 45 mm. On s'en fout un peu la vitesse de rechargement sur les petits chars, vous verrez pourquoi. Les dégâts moyens, donc 30, 30 et 36. Donc ça c'est avec les munitions, comme je vous expliquais, normales, les AP et les explos. Sachant que les explos, hein, c'est pas sûr que ça pénètre à chaque fois. Pour preuve. Ensuite la pénétration, donc 34, 44, 19. Donc voilà, c'est ce que vous aurez comme canon. Ensuite vous pourrez débloquer. Alors là je vais aller sur la recherche. Non pardon. Oups, je suis trompé. Sur ici, mais ça on est. Voilà. Donc vous aurez ce qu'il y a ici sur votre premier char. La tourelle de base. Donc c'est celle que je vous dis comme quoi que ça va descendre votre point de vie par rapport là, je me suis trompé. Par rapport à ce que j'ai moi à l'heure actuelle, donc les 100 points de vie, donc vous aurez que 90 à cause de cette tourelle. Donc, puisque moi j'ai la tourelle qui est ici la meilleure. Donc la meilleure, je dis pas la meilleure, mais celle qui vous permettra de débloquer la suite. Vous aurez la première radio. Moi j'appelle pas ça une radio, j'appelle ça, comme ils disent, les drapeaux de signal. Donc portée de vue, hein, portée radio, ils disent, mais portée de vue puisque c'est des drapeaux. 90 mètres, 1 kg, hein, deux drapeaux, ça doit pas être très lourd. Le premier moteur et les premières chenilles. Donc voilà ce que vous aurez sur votre char. Pareil hein, sur les chars autres, hein, donc les autres nations, vous aurez toujours la première ligne qui est là. Donc pour débloquer tout ce qui est que j'ai débloqué tout ce qui est ici et ensuite les autres chars. Il faudra donc déjà d'un remporter des batailles, perdre, ça vous en fait gagner, mais pas tant que ça. Il faudra gagner des points de recherche. Qu'est-ce que c'est les points de recherche? C'est ces petites là où j'ai écrit 0, donc c'est l'expérience. C'est utilisé pour la recherche, pour débloquer votre petit inventaire ici. Donc ensuite, quand vous avez débloqué, vous pouvez acheter comme ce qui est marqué. Ensuite, il faudra débloquer les chars suivants pour passer les tiers supérieurs. Donc pareil, on débloque avec de la recherche, avec de l'XP, qui est ici. Ensuite, dès que vous avez recherché, admettons, vous avez recherché le canon 1, probablement le suivant, le canon de 20 mm, il faudra l'acheter. Donc pareil, vous cliquez sur acheter. Il faudra bien sûr avoir l'argent nécessaire. Ensuite, il faudra l'installer. Donc, il sera installé, il sera là, donc il sera ici. Après l'avoir acheté, normalement il y aura maintenance qui sera affiché. Donc il faudra rechercher, réapprovisionner en munitions. Donc là, ce que je vous conseille en char léger, hein, c'est ça. Cherchez pas à acheter tout de suite les munitions gold améliorées, enfin bref, donc c'est comme ça. Si vous les rechargez automatiquement à chaque fois en fin de bataille, réapprovisionnement auto, vous cliquez dessus, accepter, merci, au revoir. Ensuite, il y a une petite option que beaucoup n'oublient, c'est vous avez un dépôt. Donc, c'est les éléments que vous avez achetés, les véhicules, ça voilà. C'est ce que vous avez dans votre garage, dans vos dépôts, les éléments incompatibles, tout ça. Donc, quand vous aurez débloqué votre canon,
ici, donc celui-là. Celui-ci, vous n'avez plus l'utilité. Vous pouvez le virer, puisqu'il ne vous servira plus à rien, puisque vous avez déjà débloqué le canon suivant. Donc, ce que vous pouvez faire, vous allez dans le dépôt, vous le recherchez. Donc là, normalement, ici, il s'affichera le canon qui n'est plus. Donc, ce sera marqué ici. Alors, attendez, je vais faire comme ça, voilà. Voilà, affiché sur les véhicules. Voilà. Donc, il y aura ceci. Bon, regardez pas les canons, tout ça, mais regardez ce qui est affiché ici. Les canons, donc c'est en 20 mm. Bon, ils sont sur un véhicule. Donc, j'ai deux canons sur un véhicule. Et ici, dans le dépôt, 0, 0, 0. C'est-à-dire que j'ai aucun élément qui n'est dans le garage, qui ne sert à rien. Mais dès que je vais débloquer des canons suivants, il va être affiché dans le dépôt. C'est-à-dire qu'il ne sert plus à rien. Donc vous allez faire un petit clic. Donc là, je remets comme ça. Un petit clic droit. Oui, un clic droit. Mais bon, vu qu'il est installé, je peux pas le vendre. Est-ce que j'en ai... Non, malheureusement, j'en ai pas qui sont... Moi, je vais faire directement avec le MS1. Je vais vous montrer hein, vite fait. Je vais pas trop dépenser. Voilà, donc acheter. Donc là, il est acheté. Voilà. Donc il y a ce petit liseré qui s'est affiché maintenant. Voilà. Parce qu'il faut que je rachète les obus. Donc, pareil, accepter tout ça. Donc là, je vais pas le faire. Donc là, vous voyez, le canon a changé. Donc voilà. Donc vous avez dépôt. Alors, sur les véhicules. Voilà. Il y a ce petit canon qui s'est affiché. Donc là, c'est mon canon que j'ai d'habitude. Qui s'est affiché. Prix 1000. C'est-à-dire que si vous cliquez ça sur le clic gauche, vous avez l'option vendre. Donc voilà. Donc je vais faire ça avec le canon que je viens d'acheter. Donc là, je réinstalle le canon de bas que j'avais. Je retourne dans le dépôt. Il est là. Je fais clic gauche et vendre. Et voilà, j'ai gagné les 900 et quelques de vente. Donc ça, c'est utile si vous débloquez, admettons, les chenilles, tout ça. Tout ce que vous débloquez, que vous achetez au-dessus de ce qu'il y a de base, vendez-les, ne les gardez pas. C'est un petit conseil, ça vous fait gagner de l'argent, ça vous fait moins dépenser pour les munitions, quoi que ce soit. Mais bon, ça peut être utile. Pareil pour les obus, hein, puisque vous pouvez vendre bien sûr les obus qui ne sont pas utilisés pour vos chars. Voilà. Ensuite, équipement. Donc ça, c'est les équipements qui sont sur les véhicules ou en dehors des véhicules. La même chose. Et les consommables. Pareil. Ensuite, que dire pour l'expérience? Alors voilà. Donc, l'expérience. Donc vous avez recherche. Ça vous fait débloquer tout ça. Mais il y a une autre petite expérience qui est fort sympathique. C'est ce qu'on appelle l'XP libre. L'expérience libre. Alors, que dire? Vous gagnez une bataille. Admettons, vous gagnez facilement, enfin bref, vous gagnez de l'XP normal. Donc cette XP normale, elle est pour ce char, que celui-là. Mais vous gagnez aussi un tout petit peu. Alors je dis bien un tout petit peu, puisque ça va varier suivant les résultats de votre bataille. De l'XP libre. L'XP libre servira à tous vos chars. C'est-à-dire qu'admettons, vous avez ce char, vous avez assez d'expérience, on va dire, pour la tourelle, mais il vous manque, on va dire, 100 d'expérience pour le dernier canon. Et vous regardez, si vous avez assez d'expérience, vous pouvez le débloquer, puisque ça cumule par rapport avec l'XP du char, plus l'XP libre. Or moi, ce que je ne fais pas, je vous conseille, ce qu'il faut faire, c'est la garder. Ne consommez pas cet XP libre pour les petits chars. On va dire qu'à partir du char du tiers 5, donc je vais vous montrer les chars à partir d'ici. Voilà, ce qui est de cette colonne-là. Ne dépensez pas votre XP libre. Gardez votre XP libre pour plus tard. Parce qu'il y en a beaucoup qui font cette erreur, c'est de dépenser tout de suite l'XP libre. Oh, je veux le dernier canon, mais apprenez à jouer, comme on dit. Donc, en gros, dépensez là à partir du tiers 5 jusqu'au tiers 10. Pourquoi?
Déjà, vous avez un meilleur canon ou meilleur char, enfin bref, en début. Déjà, vous avez déjà appris un peu à jouer avec les petits chars, donc de tier 1 à 4. Vous aurez déjà quelques centaines de batailles. Vous commencerez à connaître un peu le jeu. Donc ensuite, vous savez à peu près les forces et les faiblesses de certains chars, comment jouer, enfin comment vous jouez. Donc en gros, vous pourrez débloquer avec cet XP libre un meilleur canon, une meilleure chenille, voilà, meilleur. Bref, ne dépensez pas ça pour les tiers. Ensuite, il y a l'argent. Donc cet argent, c'est ce que vous gagnez à chaque bataille. Alors pour l'instant, sur l'en tier 1, vous allez plus en gagner qu'en dépenser, puisque la destruction de votre char est gratuite. C'est que les obus qui coûtent cher, enfin, que les obus coûtent de l'argent. Mais votre char, s'il est détruit, admettons, ou endommagé ou quoi que ce soit, puisqu'à chaque obus qu'il prendra ou quoi que ce soit, ça a endommagé donc ses points de vie. Donc il faut le réparer malgré qu'il ne soit pas détruit. Il faudra dépenser rien du tout. Mais quand je dis rien du tout, c'est vous ne dépensez pas pour les points de vie. Vous ne dépenserez que pour les obus. Donc c'est-à-dire que la réparation automatique, zéro. Réapprovisionnement, bah, ça dépensera ce qu'il y aura, ce que vous aurez consommé comme obus. Donc j'en vois beaucoup, alors je précise, j'en vois beaucoup au niveau des chars, en petit tiers, puisque je joue souvent en petit tiers pour voir, pour me marrer un petit peu. C'est ça tire dans tous les sens. C'est bien, vous tirez. Mais ce chose, hey, à coût d'argent. Donc en gros, tirez que si vous êtes sûr d'avoir une cible. Ensuite, que dire de plus? Donc il y a ici, alors là c'est les consommables. Ensuite il y a l'or. Alors l'or, bah, c'est l'argent réel. C'est votre argent, c'est votre compte en banque, c'est vos économies, vos sous. Ça pareil, bah, je vous laisserai un peu découvrir, mais il y a plusieurs possibilités d'acheter de l'or. Hein. Il y a la carte bleue, hein. Il y a par SMS. Il y a d'autres possibilités, il y a Internet Plus, enfin, il y a un peu toutes les possibilités. Ça vous permet d'acheter les comptes premium. Alors, qu'est-ce qu'un compte premium? Alors, les comptes premium, c'est déjà d'un, ça vous change le garage, puisque vous n'aurez pas ce beau garage si vous jouez en compte normal, je crois. Je sais pas, puisque moi, ça fait un petit moment que j'ai pas été en compte non premium. Compte standard, comme ils disent. Mais en compte premium, vous avez ce joli garage. Je sais pas, en mode comme je disais, en mode normal. Comment c'est? Ensuite, avec les l'or, donc vous pouvez prolonger le premium. Donc, voilà, combien coûte? Donc voilà, c'est 50%. Voilà, super, j'allais le dire. 50% des crédits et d'expérience à chaque bataille en plus. Donc admettons, en compte normal, vous avez gagné, à dire 1000 et quelques, et ben vous auriez gagné 1500 avec un compte premium. Plus XP, enfin bref, je vous laisse faire à peu près les calculs de ce que vous auriez gagné en compte standard à compte premium. Vous ajoutez la moitié, point barre. Oui, j'ai fait ma sup. Pour je raconte des conneries, mais bon, c'est pas grave. Pour pouvoir calculer ce que vous aurez gagné en compte premium, c'est utile quand vous êtes tapé des gros chars. Pas très utile quand vous êtes en compte avec les petits chars, mais dès que vous commencez à taper du haut tiers, ça commence un petit peu à faire mal. Donc là, voilà. Là, ce qui est pour un petit peu près les bases. Ensuite, on va parler un petit peu des équipages. Donc des deux blaireaux, puisqu'il y en a deux sur ce char, ce petit char là. Je sais plus combien il y a sur les autres chars, mais je crois que ça doit être deux ou trois grand max, hein, doivent être une quinzaine dans un petit char, une boîte à savon, hein, excusez-moi le terme. Il y a vos deux bonhommes. Donc j'ai désactivé ça. Donc il y a le commandant qui sert aussi, alors là comme vous voyez, d'observateur, de tireur, de radio et de chargeur. En gros, ce mec fait tout dans ce char. Et en plus de commandant. C'est pour vous dire. Et il y a le pilote. Donc le pilote qui est assis ici. Hein. Vous pouvez s'imaginer, hein, il n'est pas assis derrière. Et il y a le pilote. Ces deux personnes ont, quand vous commencez le jeu, ici il y a un petit pourcentage. C'est leur expérience au combat. Ils sont de base à 50%.
50%, ça veut dire qu'ils ont jamais combattu, ils ont, c'est la première fois qu'ils rentrent dans un char, ils sont, comme on dit, des noobies du combat. Et à chaque combat que vous allez faire, ils vont gagner un tout petit peu d'expérience. Donc pour monter jusqu'à 100%. Dès qu'ils seront montés à 100%, vous allez débloquer ceci. Voilà la liste complète des combats. Les compétences et qualifications. Donc ça, voilà, service rendu, vous avez le petit panel. Donc là, j'ai fait un petit clic dessus. Un clic droit, dossier personnel, et voilà. Donc il y a son nom, son grade, donc ça c'est du russe, hein. Ne me demandez pas c'est quel grade, j'en sais trop rien. Son nom, là où son char où il est affecté, sa qualification, son niveau d'entraînement, le modificateur, donc ça c'est un bonus qui est grâce au commandant, donc ça, ne me demandez pas comment ça fonctionne, je sais pas. Sa compétence, donc il sait pour l'instant utiliser qu'un seul char, le MS1, puisqu'il est affecté à ce char, et ses compétences et aptitudes. Donc ça, on va en parler tout de suite après. Son entraînement, donc voilà. Ses entraînements, donc il y a plusieurs types de chars, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5, je sais compter. Donc il y a les chars légers, c'est des petits chars, c'est des chars souvent très peu blindés, mais très rapides. Donc pour l'instant c'est un petit char, c'est un MS1. Il y a sa formation, donc rapide, alors là c'est pareil, ça coûte de l'argent, donc je vous conseille de ne pas être trop touché, donc surtout à ceci et ceci, donc 100% et 75%, n'y touchez pas. Il y a plusieurs chars, voilà, tous les chars légers qu'il peut utiliser, mais si admettons on veut le faire, il faut racheter une formation rapide. Donc en fait, ça va le réentraîner sur le char que vous avez. Admettons, bah, vous avez débloqué le T60. Bah, hop, formation rapide, libre, 52%. Donc en gros, il vient de passer de 70%, où il connaissait le char à peu près correctement, à je ne connais pas le char, donc j'ai réduit. Mais vu qu'il connaissait un tout petit peu au niveau des combats, et il redescend qu'à 52%, enfin 52, ça dépendra. Il y a plus simple que chercher le char que vous avez. Donc admettons, vous avez débloqué un char, donc le char suivant. Donc admettons bah, le T26. Donc ça je vais faire ça avec, bon, comme ceci. Donc je vais l'envoyer à la caserne. Hop. Hop. Donc vous allez avoir un char, vous avez acheté votre char. Hop, il n'y a pas eu d'équipage. Vous utilisez, alors ça c'est un conseil, vous avez votre char pour tir 1. Vous utilisez les chars, les pilotes, puisqu'ils ont déjà de l'expérience. Donc vous allez pouvoir acheter, donc je vais faire un truc plus simple. Je vais vous montrer déjà comment acheter un véhicule. Alors acheter un véhicule, donc admettons, bah, vous voulez acheter ce char. Il y a ce panel. Donc, le char en lui-même. Acheter une autre place dans le garage. Charger les munitions standard. Donc ça, vous ne cochez absolument pas. Enfin, faites comme vous voulez, mais bon, je vous conseille pas. Entraînement de l'équipage, donc il faut un équipage de 3, voilà. Donc il y a l'équipage ici, il y a 3 personnes dans le char. Mais je vous conseille une chose, c'est pas de prendre formation rapide niveau d'entraînement 50%. Vous achetez sans équipage. Vous achetez votre char, donc là je ne l'achète pas puisque je n'ai pas l'utilité. Donc vous allez vous retrouver, donc on va reprendre le MS1, avec un char comme ceci. Et là, rien du tout. Donc vous prenez... Comme j'ai fait, hop, ceci. Donc vous allez reprendre vos gars qui sont dans le MS1. Vous faites un petit clic droit, envoyer à la caserne. Pareil pour l'autre, envoyer clic droit. Vous allez sur votre char, le nouveau, hein, pas sur celui-là, mais sur le nouveau char, et vous faites clic gauche. Il va vous montrer toutes les personnes qui peuvent être sur ce char, c'est-à-dire par nationalité. Vous prenez les personnes qui sont écrites commandant, char léger, enfin celui que vous avez dans votre ancien char. Vous cliquez dessus. Normalement, il sera affiché en rouge. Pourquoi? Donc là, ils ne sont pas affichés en rouge, mais pourquoi ils sont affichés en rouge? Pour la bonne et simple raison qu'ils ne sont pas entraînés à ce char. Puisque votre nouveau char, ils est entraîné au MS1, mais ils ne sont pas entraînés pour le char suivant. Donc vous faites clic droit. Dossier personnel, entraînement.
Et là, vous aurez ce petit truc écrit véhicule actuel. Pardon, véhicule actuel. Donc ça va vous montrer le véhicule où ils sont affectés à l'heure actuelle. Vous cliquez dessus et vous vous entraînez au niveau formation rapide. Ce qui est un petit avantage, puisque ça va alors réduire un peu leur expérience, mais vous aurez toujours au-delà de 50%. Donc ensuite, quand vous aurez fait plusieurs batailles, ils arriveront obligatoirement, au bout d'un certain temps, à 100%. Donc la liste des qualifications, elle est là. Donc c'est les compétences. Chaque poste, donc là pour l'instant c'est le pilote du char, chaque poste a une compétence commune, a 4 compétences communes, donc réparation, camouflage, lutte contre les incendies, FR d'armes. Ensuite il y a une qualification spécifique au poste qu'il occupe, pilote, bélier, pilote tout terrain, conduite souple, maintenance préventive, as du volant. Donc ça j'en parlerai un tout petit peu plus tard, mais ça vous aurez le temps d'y arriver. Ensuite dossier personnel, vous pouvez changer sa tête, mais pareil, ça coûte argent. Donc voilà, ce petit tuto va toucher à sa fin. Donc que dire de plus? Ah oui, si, puisque vous aurez possibilité, moi j'en ai plus l'occasion, c'est... Ah bah si, je peux. Le didacticiel de combat. Donc c'est un didacticiel, on ne peut plus simple. Hein. Excusez-moi. Un tout petit peu plus simple. Qui veut vous apprendre un peu à jouer, à déplacer votre char, à tirer, à comment ça se déroule sur un champ de bataille. Hop là, oui. Donc ensuite il y a le menu, les paramètres. Donc chaque paramètre, les vidéos, le réticule. C'est des petits paramètres fort sympathiques à vous de voir, à vous de trifouiller, de regarder un petit peu. De toute façon j'en ferai un petit peu plus en détail les paramètres, surtout au niveau du réticule et puis de l'affichage. Ça ce sera sur la prochaine fois, je pense le faire d'ici peu. Mais bon, pour l'instant, je pense que vous avez déjà à peu près les bases sur le garage. Donc voilà, ce tuto touche à sa fin. Je n'ai plus qu'une seule chose à dire. Si vous avez aimé ce petit tutoriel, il y en aura un autre qui va suivre plus tard. Et moi, je n'ai qu'une chose à dire aussi, dernière chose. Si vous avez aimé la vidéo, mettez le petit pouce et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes intéressé pour suivre encore un peu plus les tutos, les parties que je vais faire sur ce jeu et sur d'autres, puisque j'ai prévu d'ici peu, dès que mon ordinateur me pourra le permettre, de faire des vidéos sur Arma 3 et je pense DZ, DZ, Arma 3. Et peut-être un peu du Minecraft et peut-être du Rust. Ouais, je pense Rust dès que j'aurai modifié certaines choses sur mon ordinateur, surtout la carte graphique qui... Bon, je raconte un peu ma vie, mais bon, la carte graphique à l'heure actuelle est un peu en train de rendre l'âme. Mais bon, voilà, dès que j'aurai changé ces petits éléments, il y aura bientôt des vidéos un peu différentes, meilleur graphisme, enfin bref. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tuto vous aura intéressé et puis que vous tentera de suivre la suite du tutoriel, puisque je vais continuer les petits tutos pour l'instant du garage, des petits panels et puis de comment jouer à ce jeu, comment vous apprendre à bien débuter à ce jeu. Donc voilà, je n'ai plus qu'une chose à dire, c'est... Au revoir à tous et puis n'oubliez pas le petit commentaire et le petit pouce vers le haut, pas vers le bas. Puisque ils disent pouce bleu, moi je vois pas si c'est un pouce bleu, enfin bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus tard pour un autre tuto et puis peut-être d'autres replays. Allez, ciao tout le monde et puis bonne journée.